La Liberation Day, Hélène tient en haleine les téléspectateurs de la série Un si grand soleil. Alors que Claire est persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, elle ne comprend pas que son ancienne coloc puisse être sortie de prison face à toutes les périodes noires qu'elle a subies. Dans les prochains épisodes, diffuse à partir du lundi 27 juin 2022 sur Elle, antenne de France 2, le Censo reprend des couleurs âpres Elle, innocence d'Alix, suite au second témoignage d'Alba. La soirée qui avait de Cali va enfin avoir lieu avec les deux gérants à bord. Malheureusement, des imprévus vont gâcher Elle, événement. Maxime appelle Sabine. Elle, amateur de tennis, excuse, car il ne pourra accompagner son amoureuse lors de la fête. Elle, homme prétexte partir à Barcelone pour son travail. C'est une nouvelle désillusion pour elle, enseignante, mais elle comprend qu'il doit annuler sa venue. Cependant, il ment en disant être près d'une station-service, mais il marche en pleine rue de Montpellier. Plus tard, au sein du Censo, Claudine est surprise de voir sa fille toute seule. Sabine lui répond qu'en effet, Maxime n'a pas pu se libérer pour venir à la fête masque. Néanmoins, elle affirme que sa mère n'a pas s'accroche avec son nouveau compagnon, ce qu'elle confirme. Agace, elle, amie de Johanna, préfère changer de sujet. La professeure aperçoit ensuite Dimitri, mais elle, esquive en disant être à compagne. Jade prend le vélib de Ludo dans lequel ce dernier appose sa sacoche. Il fait part de son énervement à Alice. Il ajoute qu'une fille sans Gina de Robin Veloc, il avait payé qu'elle a embarqué son sac avec, où se trouvent tous ses papiers. Plus tard, Ludo fait une rencontre inattendue au zoo. En effet, Jade revient avec son duc. Surpris de ce revirement de situation, elle, ancien travailleur du sexe, elle, accueille avec le sourire en la voyant ramener son bien. Amie de Julie Dragel, employé de elle, établissement animalier, et lui propose d'aller boire un verre dans la journée. Et les bons moments se transforment avec un baiser à la coloc. Ce jeudi 23 juin 2022, près de 2,94 millions de personnes ont suivi elle, inédit du feuilleton de France 2, soit 14,7% d'audience. Est en forte baisse de 1,3% par rapport à la veille, car le journal et le Primen ont pas attiré les foules. Des péripéties des habitants de Montpellier et à découvrir dans les prochains épisodes de la série Un si grand soleil, diffuse du lundi au vendredi à partir de 20h45 sur Elle, antenne de France.